Valoriser la science auprès de la jeunesse, objet de la conférence portant sur la formation de la Terre, il s'agissait pour les élèves des lycées et collèges de saisir l'importance des réflexes éco-citoyens. Steve Mefan, Guy Serge Dizambou. La Terre, une planète particulière composée d'un écosystème favorable à la vie. Cette conférence a eu pour objectif de montrer l'importance de la préserver et de comprendre à sa formation. À partir de cette conférence, je pense que les jeunes qui sont passés par là aujourd'hui seront un peu plus sur la dynamique qui a permis la formation de la planète sur laquelle nous évoluons. Son équilibre est menacé à cause de l'exploitation démesurée des énergies fossiles occasionnée par la consommation excessive des hommes. Nous avons une atmosphère, un climat, une température, une chaleur. Nous avons des ressources qui nous permettent de vivre à travers cette planète. Nous sommes protégés des vents solaires, nous sommes protégés des ultraviolets. Tout ça, c'est un don du ciel, clairement. Vraiment, il serait dommage que l'être humain continue d'ignorer ça. La Terre, existant depuis 4,5 milliards d'années, bénéficie d'un ensoleillement équilibré permettant l'alternance des saisons, mais cependant menacée par le dérèglement climatique. Plusieurs facteurs qui ont permis que la vie soit sur Terre. C'est compliqué de retrouver ces mêmes facteurs-là sur une autre planète. Et c'est essentiel de préserver cette planète avec l'utilisation des énergies renouvelables. On peut trouver des solutions alternatives à l'exploitation des énergies fossiles, telles que l'utilisation des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques, ou encore les énergies hydrauliques pour compenser l'utilisation du pétrole qui résulte de la décomposition du carbone en profondeur. La planète bleue a connu 5 grandes extinctions naturelles qui ont permis l'apparition de la vie. La 6e plus brutale, la menace d'extinction si rien n'est fait, occasionnée par la surconsommation excessive, mettant à mal son équilibre.